de l'arrivée. Oui, nous, il y avait une fenêtre. Il y a une inversion au niveau des dossards, notamment le 37 et le 42. Meilleux, le méoté, s'il vous plaît. On précise également le départ pour la catégorie des DSV, le véhicule d'ouverture, le Christian Lefenec, dis-moi, en tant pour moi, qui sera sur l'ouverture, monsieur le maire qui va nous rejoindre, monsieur Gilles Desclochers qui aura tout loisir de libérer l'ensemble des concurrents, le président en revanche qui sera quant à lui au niveau du véhicule d'ouverture, Christian Lefenec qui vous accueillera justement dans sa localité pour la dernière manche du challenge de la Côte des Granit Rose. Monsieur le maire, merci pour l'accueil, merci à vous. Je vous laisse œuvrer également pour libérer ce peloton des plus fournis. Bien, messieurs, il vous reste 20 tours à faire. Bonne route. Merci, merci de me saluer avec des applaudissements. Les applaudissements très forts au moment du départ, s'il vous plaît. Merci. Allez, 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 allez. Allez Alan, c'est bien, accroche-toi. Allez Méline. Nouvelle attaque en tête de peloton. Hey Stéphane, Julien, allez Alan, remonte. Une douzaine de coureurs qui vient de prendre le coup.
commandement qui vient de prendre les affaires en main. C'est les pacifismes D1, D2, ça roule très très vite en tête. Allez, Alain. Allez, Alain. Allez, Alain. Hey Stéphane. On tourne de l'arrivée. On tourne pour l'arrivée pour les heures de jeûne. Thank you.
En plus, c'est surtout pour ceux qui sont derrière. Si. Il y aura 45 secondes. 45-50, hein. C'est quand même ils sont pas à boucher. Hein. Ils ont revu le groupe de contre-attaque. Mais... Chasseur de Gourin, celui qui s'est imposé en ouverture de la saison à Platel. Le volant aux prises avec un autre sujet. Le gars est obligé de relancer. Ça. Ah ouais. Ils sont en train de nous faire une canée là. Dernier écart, messieurs, 58 secondes. L'avance pour les 8 coureurs de tête par rapport au coureur du peloton. Dernier écart, 58 secondes. 58 secondes de retard. Allez, Stéphane. Allez, Alain. Allez, Benjamin. C'est le cas également pour les autres formations à l'image de la. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Attends, bon. Guillaume Le Bourris, Cadiou, Guilmé, c'est le cas également avec Duval et Yann Antoine. Au niveau de l'échappée, dernier écart, mais... Notre peloton qui va essayer de s'organiser, de rouler de manière homogène, de manière synchronisée, ce ne sera pas chose évidente. D'autant que nous sommes avec 8 formations distinctes sur les avant-postes. On a cité pour cela la formation de Gourin, celle de l'Air du Trégor, le Renault Sport au champ de l'Hergé Gilet. C'est le cas également de la formation de Gourin. Et en revanche, la formation locale qui effectue la... C'est 9. Alors, on peut quand même... Bonjour, messieurs. Nous sommes cette fois-ci, on reprend le pire pour le faire. Ça va venir. Et là, le groupe fait chasser. Les deux prochains tours, ce sera la nouvelle prime. Il y a des cadors, quand même, les meilleurs. Il va essayer de s'accrocher. Notre peloton avec un nouvel écart qui sera pris en considération. Belle volonté également qui va éliminer la formation locale. Tout comme Christophe de Morvan. Allez Florian, accroche. Allez Alain. Dans la catégorie des pacyclismes sur le circuit de la Chapelle d'Ève. Allez Mathis, allez Mathis, allez, 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 allez. Allez, va devant Alain, Alain. Le frère de Yann Sidaner avec le passage au du point de Fabien Sidaner. Non, non. Ah non, je croyais qu'à un moment donné, il avait des coups. Cette catégorie sera le commissaire qui sera du moins pour les D3-D4. D3-D4, le passage qui se tient. Nous sommes cette fois-ci à deux tours de la prime pour les D3-D4. Je rappelle, cher ami des commissaires, il y a un tour en moins. Ce sera un passage à deux tours de l'arrivée. La fin de la course, en revanche, 69, Hervé Cadu de M. Plestin. Le 64, Tanguy Gilmé de la formation de Plumeur Bodou. Le 70, Erwan Duval de la formation LTT. Et le 80, Yann Antoine Mancien. Est-ce combien de tours d'auteur du numéro 80 de la formation de Plumeur Bodou. Messieurs, nous sommes à 6 tours, messieurs. Ah ouais. 6 tours de l'arrivée pour l'ensemble.
toujours les chapelles qui barrent et depuis il y a du mois c'est il y a 10 minutes de chaussures avec les chaussures et on va sur 5 tours de l'arrivée, je te remercie. Merci. C'est le cas de certains des 3 et des 4 à un tour de l'arrivée. Ah ben là, hein, c'est le deck tout le temps. Hein. Le Cabouette qui termine deuxième, malgré l'avait remporté dans les années 70, une victoire dans la région de Géno. Nous avons cherché le tour de l'eau. Allez Mathis, allez, allez. Sur le Tour de France à Dijon, dans le pays de la moutarde. Prochain tour, messieurs, prime. Si, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'ils étaient en tête tout à l'heure. Ils étaient en tête tout à l'heure, ils ont lâché. Ouais. Ça roule, c'est tout seul. Non, ça c'est le. Ah, c'est le sprint pour les. Ciao! C'est moi, auparavant sur les commandes. Un autre peloton, cette fois-ci, je pense que non, c'est le sprint pour les 3 des 4. Oui, le Hyperboîte, vous faites la prolongation. Ça, c'est le sprint de l'ancien. Là, il dit c'est fini. C'est fini, Evelyne. Oula! Evelyne. Ah, c'était pas une partie. Oh la vache. Ah non. Qui c'est qui a envoyé une mine là ? Ouais, c'est mis en rouleur là. Regarde le mec. Comment il tient son guidon là ? C'est le joli. Troisième position, Sarouville, Guillemet, et voilà, respectivement avec Guillemet, Jambou, Yann-Antoine sur la fermeture, le passage à un tour de l'arrivée, derrière visiblement on sera battu, même si on salue comme il se doit l'effort qui est consenti que ce soit avec Guillaume, tout comme également avec Cabouette, c'est le cas également de Le Bourris, le voilà qui attaque sur le côté gauche. Willy Le Bourris qui n'a peut-être pas dit son dit que ce soit avec Gilles sur les avant-postes, pas de problème. Le régional de l'étape qui va s'imposer, Gilles qui s'impose, Yann-Antoine qui sera en deuxième position, Philippe Jambou troisième. On aura ensuite, ce sera pour la place d'honneur du mois, la quatrième place. On veut le champagne au milieu. Hein. C'est le cas notamment pour Hervé Cadieu en quatrième position, Willy Le Bourris cinquième, sixième Erwan Kerlouette, septième Le Briochin, c'était ici Ludovic Guillot pour la septième place. Et le déboulé imparable, ce sera l'arrivée, à ceci près également un autre coureur dont c'était l'arrivée.